aujourd'hui on va faire un crash test. On va tester la cire de chez Ner, la cire divine de chez Ner. Donc on a déjà ouvert le paquet, bien sûr, ça va. Voilà, aisselle et bikini. Donc j'ai ma copine Kella qui est en train de touiller. Donc je vais lui faire les aisselles et non le bikini. Donc on a fait chauffer la cire 1 minute 30 presque. Normalement c'est 1 minute 15. Mais on a fait 1 minute 30 là. Donc elle est bien liquide et il faut laisser 3 minutes pour qu'elle refroidisse. Donc, parce que là, si on l'applique directement sur sa peau, là, je pense qu'elle va hurler. Elle va se décomposer même. Donc voilà, on va tester tout ça. Alors, je lis la notice. Ah. Tremper la spatule dans le pot et prendre une grosse noisette de cire avec le bout de la spatule en la faisant tourner sur elle-même pour éviter que la cire ne coule ou ne file. Déposer la noisette sur le haut de la zone à épiler et former immédiatement avec la tranche de la spatule et dans le sens de la pousse des poils une bande de cire fine au centre, 1 à 2 mm d'épaisseur et plus épaisse sur les extrémités. Terminer la bande de cire par un petit bourrelet qui facilitera son retrait. Laisser sécher la bande de cire, la retirer lorsqu'elle ne colle plus au toucher et que le bourrelet se soulève sans difficulté. N'adhère plus à la peau. Retrait de la cire. Tenir la peau d'une main au bas de la bande, soulever de l'autre main le bourrelet de cire avec le bout des doigts, retirer la bande d'un geste rapide dans le sens inverse de l'application, le plus parallèlement possible à la zone épilée. D'accord. Alors, voyons voir, ça fait pas 3 minutes là, hein, parce que normalement, faut pas qu'elle soit liquide. Hein. Oui, parce que tu vas galérer aussi. Bah, ça fait pas 3 minutes. Donc il est 9h20. J'en ai une. Là. J'en ai deux. 9h20. Donc à 22. De toute façon, c'est pas grave, c'est comme un maillot de bain, on voit rien. On entend ça. Non. Bah, ça, oui, c'est comme un maillot de bain. Hein. Ok. Hop. Voilà. Je vais faire une petite photo. Friday would have loved to release at the weekend to go under and to stay under to get better and to stay better. Oh là là, il est rouge. On étale dans le sens du poil. Du poil. Tu retires dans le sens là. Donc là, ces poils-là, ils descendent. Je sais peut-être pourquoi, parce que la cire, elle est. Qu'est-ce qu'il y a? Et ceux du haut, ils poussent vers le haut. Donc je... Voilà. Ça commence à être. Ouais, à être dur. Donc on va se dépêcher. Voilà. Non, 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 Jenna. Je vais te faire la bande de ce côté-là aussi. Voilà, ici.
dans le sens, voilà, de la pose du poil, et on va retirer dans le sens contraire. Donc comme je disais, là ces poils ils poussaient vers le bas, donc j'ai appliqué vers le bas et je vais retirer vers le haut. Là ces poils poussent vers le haut, j'ai appliqué de haut en bas, de bas en haut, et je vais retirer de haut en bas. Sachant que là la cire est... Un cire franc, hein? Un tire franc. Un tire franc. Alors, attention. Un tire franc? Ouais. Là c'est bon, c'est parti. Ouais, c'est parti. Là ça y est, c'est parti. On va lui appliquer l'huile prodigieuse de chez Nuxe, huile sèche multifonction visage, corps et cheveux. Voilà. Comme ça, ça va lui faire du bien. Ah, déjà, t'es moins rouge. Et elle sent bon. Donc, on a oublié quelque chose. On avait oublié d'utiliser les post, les lingettes post-épilation, donc à passer avant l'épilation pour désinfecter, nettoyer, avant l'épilation. Voilà, on a tout enlevé. Tout enlevé. De belles aisselles pour cet été. Non, quand même pas. Pour cet été, mais... Trois semaines. À peine. Ouais, 3 semaines. Ouais. Verdict. Verdict, la cire nerf. La cire divine de chez Nair est top. Voilà. Donc si c'est possible de le faire avec une copine, c'est mieux. Donc il en reste. Et il suffit juste de chauffer, de rechauffer, il me semble. Moins longtemps, forcément, parce qu'il y en a moins. À renouveler, top. N'hésitez pas, essayez. Et faites attention aux brûlures, surtout. Voilà, salut. Voilà, elle a tout nettoyé et on attend que ça refroidisse pour pouvoir la réutiliser la prochaine fois. C'est bien. Nair, cire divine de chez Nair, au top, tu le conseilles? Ah oui. Je conseille. Voilà, salut.